this is not the story of the One. The One encompasses too much, crushing everything and making it the same. No. This is the story of the many, who are blessed with difference and rich in strangeness. This is the story of a family. Yo, la family! Oui, vous l'avez reconnu, on y retourne. Le grand cylindre. Ce jeu totalement barré, on peut le dire, qui vous emmène dans un univers unique, avec vos créatures que vous allez faire évoluer à votre manière en tentant de survivre. Est-ce que The Eternal Cylinder, c'est un survival? Non. Est-ce que c'est le jeu de la vie? Non. Est-ce que c'est un jeu d'aventure? Non. Est-ce que c'est un jeu d'énigmes? Non. Est-ce que c'est un jeu de plateforme? Non. Bref, prenez tous les styles, je vous dirai non. Mais par contre, mettez-le dans le même sac, remuez et balancez tout sur la table. Ça va vous donner une petite idée de ce qu'est The Eternal Cylinder. Je vais vous faire un bref, ça va être compliqué, récap du jeu et de son fonctionnement, qui est assez simple en fait, mais qui ne se dévoile pas avec évidence. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce titre. C'est pour ça que je vais prendre grand soin de le poncer avec vous. Continuez. Il a retrouvé mes saves. Oh purée, il a vraiment pris ma sauvegarde. Ok, donc bienvenue pour les gens qui ne connaissent pas dans The Eternal Cylinder. D'ailleurs, je suis dessus, hein, c'est lui, le gros cylindre. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe, pas que je reste là 107 ans. Il y a moyen qu'il bouge après. On m'a dit au point où j'en étais par rapport à cette save. Ah, mon clavier n'est pas mappé. Pad. Vite le pad. Alors, par rapport à cette save, on m'a dit, oui, il faut que tu passes de l'autre côté du cylindre. Moi, j'étais là. J'étais de ce côté-là. Et il y avait plein de choses. Mais on reviendra dessus après. Le rendu a changé. Hein. Ouf, vacherie. Et ils m'ont dit, saute de l'autre côté, tu vas voir, il y a des trucs marrants. Mais moi, je crois pas qu'il y a des trucs marrants. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air tout brûlé. Tout oxydé. Tout... On y va comme ça, je vais mourir et on essaiera de lancer une partie du début parce que c'est quand même bizarre que le jeu me dise continue ta save alors qu'il vient juste de sortir et j'aimerais bien voir le début, si ça a changé ou pas. Je refais mes touches au passage parce que je m'en rappelle plus du tout. J'ai plus du tout les commandes en tête, on va y arriver. Voilà, je me mets en boule pour aller pour beaucoup plus vite. Mais ça passe mon énergie, attention. Alors, il y a un paramètre très important dans le jeu qu'il faut prendre en compte. Ah oui, j'ai mes yeux qui peuvent se balader. Les animaux peuvent muter. J'ai tellement de choses à dire pour les gens qui connaissent pas du tout le jeu. Le principe du jeu, c'est qu'on vous lâche avec des créatures vulnérables qui sont dans un univers qui vous est totalement inconnu et relativement barré à niveau concept. J'ai ça qui me dit qu'il faut aller là-bas, hein, moi. C'est ça. Ouais, on va suivre le rayon, ce sera plus sage pour la mission. Je reviendrai à ça après, je finis d'expliquer. Et donc, vous êtes avec votre bestiole, mais elle peut ne pas être toute seule. Vous pouvez en récupérer d'autres pendant l'aventure. Et vous avez votre petit troupeau de bestioles, éventuellement, qui va parcourir ce terrain selon les bons vouloirs de ce cylindre, sachant que je peux pas passer par-dessus tout le long, je pense. Là, c'est un des rares moments où on me permet de monter dessus, mais... Mieux vaut rester loin du cylindre. C'est le truc à faire. Je vais rouler jusque là-bas. Et continuez de vous expliquer. Partons de ce principe. Vous êtes une créature vulnérable, mais vous pouvez muter. Vous allez pouvoir acquérir des compétences au fur et à mesure de l'aventure. Et ça va vous permettre de faire différentes choses. Notamment, affronter les différents endroits, puisqu'il y en a certains qui sont enneigés, donc il fait froid. Donc si vous n'êtes pas équipé, vous allez crever de froid dedans. Si vous voulez faire des méga jumps, mieux vaut avoir une fonction qui permet de se gonfler, comme j'ai ici. Et en fait, tout ça dépend de la nourriture qu'on récupère à gauche. Alors, ce rayon, il va là-dedans. Pourquoi? Mais là-dedans, il va rien faire. Je vais descendre, hein, comme ça, je me remettrai dans le bas un peu. Ah, le rendu a vachement changé, quoi. C'est plus...
C'est plus précis, hein. Ouh, il y a un gros dégueu de baveux là-bas. Qu'est-ce que je peux faire avec ce bidule? Interagir. Ah, je peux peut-être ressusciter des potes. Ah, il est où le truc qui fait grimper? C'est ça, je crois. Je reste dans son rayon. Regardez-moi ce beau bébé qui va se poser tout tranquillement ici. Enfin, tout tranquillement, c'est relatif. Ah merde! Pleuf. Rebluff? Non, c'est bon. Bah, est-ce qu'il y aurait un intérêt du coup à passer de l'autre côté comme on me l'avait conseillé? Parce que sur la map, normalement, continuer à sauvegarder, on s'en fout. Moi, ce que je voulais savoir, c'était les objectifs. Trouver un geyser proche du cylindre éternel pour vous propulser au-dessus de celui-ci et flotter vers l'inconnu. Donc on m'a demandé de passer de l'autre côté réellement. Le problème, c'est que l'autre côté, moi je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, ça a pas l'air super safe, quoi. J'ai super pas envie d'y aller. Bon, on va aller faire un tour, par curiosité, parce que la curiosité tue, bien entendu. Mais l'envie, vous la sentez, elle est pas là, quoi. Je pense qu'on va rencontrer des potes. On va se balader, mais vite. Pourquoi je suis venu ici, sérieux? Non, non. Il n'y a point de mutation, il n'y a point de bonus. Et si ça se trouve, il y a le grand gardien que je pourrais rencontrer. Parce que vous l'avez pas encore vu, mais il y a le grand gardien. Alors, c'est quoi le grand gardien? Pour l'instant, vous avez pas trop envie de savoir, je pense. Ah putain, le v'là. Non. Mais pas les habits, on avait dit. Ah, le grand gardien. Et du coup, la démo s'était arrêtée là-dessus à l'époque, sur la bêta. Oui, on se faisait happer par le grand gardien qu'on venait derrière, et je n'avais jamais vu cet endroit-là, et je regrette pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui nous a mis. On va voir ça. In the dream, inside the strange giant's mind, the voice that spoke to the Trebum seemed different. It was less like a memory, more like something alive. But there were so many other voices too, lost in this place. Oh la vache, ils sont quand même allés triper encore plus loin que ce qu'ils nous ont fait voir. Au nom de Zeus. Non, faites pas des trucs comme ça, les gens. Non. I remember the mountains of my home, the vast forests, the clouds hanging low overhead, the cities in the valleys where the rivers ran. I remember the faces of my children and the songs we sang when the stars. Ah non, faites pas ça. Faites pas ça. Vous ne voulez pas faire ça. Est-ce que les programmeurs de ce jeu sont adeptes de choses? Je ne sais pas. Stars envied its brightness. Poets and scientists gathered from around the world, and its great observatories scoured the sky for wisdom and beauty. That is where we first saw the new star. Each voice was a memory, a song from a forgotten time, slowly fading. But some of these memories were Trebum memories. Memories of things that Trebum had once been capable of. Perhaps, the voice suggested, these could be reclaimed.
stretched out to the sky, yearning for the stars. They were symbols of our best and our worst. I remember our voices echoing in the canyons as we fought for change, for a world that was different. Then it came, and the towers fell, and there was no more difference. Where are our voices now? Where are our songs? I only hear one, and it is eternal. As the memories return to the tremor, old abilities stolen by the cylinder were finally restored. But there was so much more. The voice had answers, but it was weakening. Frightening as it was, the treble would have to come back. Ok. Donc voilà pourquoi le cylindre avance. À cause du grand mécanicien ou je ne sais quoi. Death and nothingness. There were no answers to be found here. The voice and their memories urged them to return to the lands of the living. Alors oui, à chaque fois qu'on récupère du matos, c'est avec la nourriture hein, qu'on mute. Il nous explique ce que ça peut faire si c'est pour muter, pour bouffer, pour avoir un pouvoir temporaire. Je vais y aller là, les gars. Alors, où est mon geyser que je puisse me tirer de là? Parce que je pense que lui, comment dire, l'amitié, tout ça, c'est des notions il va pas connaître. Regardez-moi la taille des paluches. On va avoir un problème si on doit discuter. Ah, le v'là. On va y aller. On s'en va. Oh purée, celui-là, t'es bien, bouge plus, laisse-toi, l'élévation, zen. Alors le jeu n'est pas devenu moins barré hein, depuis les bêta versions, ça s'est pas amélioré, les programmeurs sont toujours aussi perchés, et on ne comprend toujours pas où c'est qu'on nous emmène, mais on y va, avec une certaine franchise. Allez, on retourne là-bas, parce qu'on était bien entre guillemets. Pluff. Et ça me semble plus safe que derrière. On va vérifier quand même dans les objectifs. Ok, c'est assez vague. On va essayer d'avancer. Je pense que le cylindre va nous faire une blague. Ou alors peut-être que la barrière derrière s'est reculée. Ce qui serait une bien bonne nouvelle. Ah bah il était là mon pote. Alors lui il faut l'éviter parce qu'il est vraiment très pénible. C'est une des créatures que vous rencontrerez dans le jeu. Je sais pas si je vous la spoil ou pas. Elle a une bonne petite particularité un peu pénible. Et on va éviter d'aller lui dire coucou en fait, tout simplement. Ça sera beaucoup plus simple. À moins qu'on m'y force. Alors c'est quoi cette espèce d'hôtel que mieux. Mais ma map elle a changé, j'ai l'impression ici. Et ouais, c'est plus exactement la même chose. Alors, mission numéro 1, essayer de trouver de quoi renflouer mon clan. Despite having miraculously survived their encounter with the mathematician, they were back to where they'd started. To make matters worse, ahead of them lay the cold and snowy lands of the tundra. Not a very nice place for Trebum, who are not meant to live in the cold. They would have to push forward against all odds and pray that they could find help.
Du coup, j'ai absolument rien lu de ce que a dit le Gugus. Mais ça devait être super bien. Ah, ça, je dois pouvoir y casser en y crachant quelque part. Contre un obstacle. Oui, les graines, on peut les casser. Non, perdu. je tente quand même. Mais il y a plein de petites subtilités. Le jeu est gavé d'idées, quoi. Et le plus dur, c'est de se les remettre tout en tête quand on replonge dedans directement comme là. Je reviendrai pour ces histoires de cailloux, là. Il y a quelque chose qui pourra m'intéresser. Mais j'ai vraiment pas d'objectif, déconnez pas les gars. C'est la merde, on va être obligé d'explorer, on va explorer. Tel l'explorateur quoi, Bob Moran, c'est parti. Prisonnier dans la vallée infernale, Bob Moran, etc, etc. Attention, touche pas le mur bleu, sinon le grand cylindre va se mettre à avancer. Eh ben on va le faire avancer les gars, c'est ce qui va se passer, je vous le dis en vérité. En plus il y a un énorme crasher, vous ne connaissez pas le crasher, ça veut dire que vous n'avez pas vu les deux émissions intégrales consacrées à ce jeu dans The Big Game of Ski. Mais quelle honte. On y va, lui il m'a repéré en tout cas. Quel appétit. On y va, vraiment. Ciao. Alors à partir de maintenant le grand cylindre est en route. Oui, c'est la bonne nouvelle du jour. Bah, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, parce que... Hey, il va falloir que je trace, moi. Jusqu'où? Je ne sais pas, je découvre le terrain en même temps. Oh, il y a un rebond maintenant dans mes... Dans ma bestiole qui est assez fabuleux. Où c'est que je peux aller? À la tour, la tour, la tour, la tour, vite, à la tour, vas-y, vite, à la tour. La tour, elle est où? Elle est devant toi. Attention, le gros, là, il est pas commode. Il a son petit œil fourbe, mais surtout, c'est une grosse ratiche, regarde-moi ça. Attends, la tour, on peut passer là-dessus pour y aller. Ouais, c'est bon. Hop, hop. Regardez-moi ça, cette souplesse. Ce talent, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être un très bon enjeu. Toute ma vie, j'ai rêvé de courir pour ma vie. Ah, on y est presque. Il est où, ce... Ah, il est pas content, le cylindre. Oui, donc je déconnais pas quand je disais que le cylindre, le grand cylindre... Et quand il avance, il bousille tout ce qu'il y a dessous. Et mieux vaut pas y être. Là, je suis safe. Ceci dit, il y a certaines colonnes d'arrêt comme celle-là qui font la blague de péter des fois, de temps en temps. Celle-là, elle tient, ça va. Mais je vous garantis que la première fois où je suis tombé sur une colonne qui a pété, j'étais vraiment pas fier parce que j'étais juste à côté et j'attendais. J'étais en train de brouter quelques fleurs et de grignoter quelques insectes. Et quand j'ai vu le pylône péter à l'impact du cylindre, bah, je me suis mis en boule pour me barrer. Donc là, on arrive dans une zone totalement inédite pour moi. Je sais pas où je mets les pieds. Je sais pas quels sont mes objectifs. Ah, pas plus hein, d'infos là. Présence malveillante rôde dans ces lieux. Ok. Au moins, on est fixé. On sait qu'il y a peut-être une présence malveillante. Pas lui, on le connaît, on l'a déjà vu. Si vous le connaissez pas, c'est que vous n'avez pas regardé les deux émissions TBG, et ça c'est mal. Je vais vous demander de vous auto-flageller un peu. Je vais où, moi? Pourquoi il y a une piste de ski, ici? Ouais, non, je suis très curieux. Parce que chaque niveau est foutu de manière à ne pas se dévoiler directement, et vous avez des choses très précises à y faire, plus des zones bonus que vous pouvez essayer de parcourir, genre là où il y a sûrement des bonus qui sont posés. Pour essayer de monter dans ce machin, mais... Vu que je suis un peu crétin... Ah, j'ai plus la mutation pour faire le jump gonflé. Zut. Flûte. D'où l'intérêt d'avoir des camarades. Donc dans mes priorités, tout à l'heure, je disais, il faudrait que je ressuscite des camarades, ça serait vraiment chouette. Mais pour cela, il va falloir trouver des ressources. Niam. Et ces ressources, bah, elles sont devant moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais vu ça. Alors j'essaie de comprendre en même temps que vous, hein. Je suis pas plus malin. Donc les œufs comme ça, on essaye de les péter en général, de faire des trucs avec, ou de les amener à un endroit où il y a moyen de les faire éclore. Mais là, j'ai rien repéré de ce genre.
Et la barrière autour de moi est rouge, ça veut dire qu'elle m'empêche d'avancer. J'ai pas moyen de la collisionner, ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux foutre de cet œuf? Moi, je suis totalement égaré dans ce décor que Dali ne renierait pas. Et ça aussi, c'est quand même le talent des devs. Ils sont partis dans des tripes de design graphique. C'est pas courant. C'est vraiment pas courant. C'est très drôle. Ah, ça m'intéresse là-haut. Regardez, lui, il a l'air trop sympa. Je suis sûr qu'en marchant dans avec un œuf, je vais regagner une crédibilité que je n'ai jamais eue. This time, the Trebum knew what they were feeling. Here was another servant of the cylinder. But what shape would this creature's evil take? Il faut qu'on voit ça de plus près. Did not seem interested in the Trebum. The servant of the cylinder had released a swarm. Small parasites had come from within it and attached themselves to the creatures in this area. It was somehow using them to corrupt the tower, to turn its protective force into a trap. C'est un corrupteur. All Trebum hate parasites by nature, and they hated these even more. They would have to remove them, but how? Alors, faudrait que je me débarrasse de tous les parasites, mais comment? Hé gros, 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 t'as vu ma trompette? Regarde ma trompette! Bon, ça marche pas terrible, je crois. En tout cas, il a très peur. Une chose est sûre, ce n'est pas la bonne mutation. Oh putain. Et je reprends. En fait, la solution était vraiment très très conne. Vous allez me détester quand vous allez savoir ce que c'est. Vous savez comment on se débarrasse des parasites qui viennent s'accrocher sur les bestioles et les rendre un petit peu hystéro et très méchantes? En crachant de l'eau dessus. Ouais. C'est ce que je viens de constater là. Alors on va voir si ça marche sur les bestioles accrochées sur les autres bestioles. Si j'ai encore de l'eau sur moi, heureusement. C'est sur celle-là. C'est bien ça. Donc j'ai pas menti hein, pour se débarrasser du parasite. Merde, j'aurais pu le récupérer d'ailleurs. Ça m'aurait fait peut-être une mutation spéciale. Bah, il suffit de... lui balancer de la flotte dessus, tout bêtement. Entre guillemets. Ah, ça marche. Donc l'idée, c'est que cette bestiole là-bas au milieu, sur son piédestal, balance des parasites qui contaminent tout le monde. Et que pour s'en débarrasser, bah, il suffit de balancer de la flotte dessus, ça les fait péter. Comme celui-là. Hop là! Là, ça veut dire que j'ai fait mon achievement. Ça tombe bien parce que cette musique nous faisait vraiment mal à la tête. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer, voir si ça fait muter ça. Non, je peux pas m'en servir. Dommage pour moi. Alors, le mur est devenu bleu, ça veut dire que je peux passer dedans. Mais si je passe dedans, attention, je vais réactiver le grand cylindre derrière. Et il va se remettre à avancer, donc il faut que je trouve une solution de repli, c'est-à-dire une tour qui est pile en face de moi. S'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de piège, s'il n'y a pas de mauvaise surprise. Comme le jeu attend le talon de mon fer. Ça aurait pu passer sur un malentendu. Eh bien, je vais prendre ce poisson pour la peine. Je suis repu, je peux plus rien manger. Du coup, mon poisson, je récupère comment, les gars?
Bon, on verra ça une prochaine fois. Ah, non, ça montrera un problème. Le cylindre. Ah, c'est reparti. Je crois qu'il a pas l'air très content. Mais ouais, on trace. C'est l'heure. Pipi. Oui, en plus, il y a un gros dégueuleur. On va éviter de s'attarder. Une discussion avec le gros dégueuleur, on sait comment ça se finit. Dans la bouillie. Hop, et je vais m'éloigner de ce pilier, je lui fais pas confiance, quoi. Et il faudrait que je trouve de quoi m'habiller, parce qu'il fait très froid, là, et je vais pas passer... Bah, j'ai perdu mon acolyte, d'ailleurs. Je vais pas passer longtemps ici, parce que j'ai pas de pelage. Oh putain, c'est lui dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut absolument pas qu'il me repère. S'il me repère, il me lâchera plus. Mais alors plus du tout, quoi. Jusqu'à ma mort. Oui, il a trois narines. Ça lui fait un odorat super fin. Il s'en sert, ce con. T'es beau avec du pelage, toi. Ah oui, faut que je me magne. Ça l'a pas arrêté, le cylindre. Si. C'est bon. Ah, je suis dans une zone dans laquelle il faut rester dans la zone contrainte. Sinon, je me fais électrocuter. Qu'ai-je trouvé? Des vestiges anciens. Une grotte de refuge. Un repli. C'est incertain, mais j'y vais quand même. Qu'est-ce que quoi? On va essayer ça. Ça doit se bouffer, je pense. Tout se bouffe dans ce jeu de toute manière. J'en profite pour muter. Hein. Bon. Je vais crever de froid, bordel. Les amis, c'est un drame. Vous allez assister à la mort d'Hibernatus. Alors comment ferais-je pour me barrer ici? Il lui reste plus longtemps à vivre, mon gars. Oh putain, le cylindre! J'avais pas vu qu'il continue d'avancer. Et les mecs, on prévient qu'on fait ça. Ah bah c'est cuit là. C'est cuit. Bah oui, regardez. Je monte plus là. Je monte plus. J'en peux plus. Je suis fatigué. Ah mamie, ah mamie. Oh là 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 là. Elle est où la sortie? La tour, elle est à perpète. Je vais mourir soit écrasé, soit de froid, soit pulvérisé par un éclair, soit... qu'est-ce qu'il reste encore comme choix? C'est des choix. J'ai que des trucs qu'on peut pas consommer sur moi. Vous y croyez? Elle est où la sortie? La sortie, les gars. Ah, panique! Non, 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 pas de panique, ça va bien. Regardez ce gros truc là-haut, ça a l'air trop sympa. Hey, salut toi. Faut pas que je m'éloigne trop non plus du cylindre. Sinon je me fais shoot par les éclairs. Donc il y a une zone à respecter. On est à la merci des prédateurs. Et on a des trucs... qu'est-ce que je pourrais faire moi? Il me suit, ça y est, il m'a pris en aggro. Oh, il est pas content. Alors je pourrais me réfugier. Là ça sert à rien. Je le dis tout de suite. No spoiler. Ça sert à que dalle. On va se rapprocher de la colonne. Ça sera l'endroit le plus safe. Le moins pire. D'accord, je ne sais pas encore, mais ça n'a pas l'air très amical. On expérimentera une autre fois dans une autre vie, quand le cylindre arrêtera de bouger. Et il fera moins froid, par exemple. Ça, par contre, ce qui est là-bas, je connais. Il arrive, le gros. Oh, ce jeu, c'est... on comprend pas tout, mais on est là, on fait. Et c'est un peu la sensation que doivent avoir les bestioles. Hein. On est quelque part, on comprend rien, et on n'a pas le temps de vraiment apprendre, on improvise et... quand ça se passe bien, on le sait, on est encore vivant le lendemain. Le jeu de la vie, The Eternal Cylinder. Tu t'arrêtes là, tu déconnes pas, tu t'arrêtes, hein, tu t'arrêtes, tu déconnes pas, dis oh.
Bon, je vais aller me chercher une petite laine, moi je caille ici. Il fait que du froid. Il fait que du pas bien. J'ai plus de collègues. Tout le monde est mort. J'ai que des ennemis. Tout le monde veut me bouffer. J'ai plus rien à bouffer d'ailleurs moi-même. Et je vais lui donner. Et il veut pas sortir. Non, il veut pas sortir, il a pas envie. Collègue, pourquoi tu veux pas sortir? Je vais mettre là, je vais dormir. Où je suis? Alors, le jeu m'a fait une surprise. Et vous allez le voir dans différents extraits. Il m'a ramené là où je m'étais arrêté dans la bêta. Ce qui fait que j'ai pas pu reprendre les commandes pour me les remettre un petit peu en main. Le point, s'il vous plaît, le point. Ah, je suis flou là. Donc du coup, je rattaque un endroit où j'en sais pas plus que vous. Je ne suis pas plus avancé et je suis arrivé à rentrer dans une structure dans laquelle je suis tombé sur ça. Vous comprenez autant que moi? Ok, ça me rassure, ça me fait bien plaisir. J'ai aussi rencontré de nouvelles créatures, mais ça je vais vous le dévoiler un petit peu plus tard. Alors, The Eternal Cylinder. Where terrible, bitter things had happened a long, long time ago. On peut dire que c'est un jeu de survie, à la base, puisqu'on a une à jusqu'à quatre créatures comme ça qu'on peut gérer, et qui peuvent se déplacer, et puis faire toutes les activités de plateforme qu'on connaît dans tous les jeux du monde. L'autre chose, bah, c'est que si on regarde à gauche, cette bestiole, pour survivre, il va falloir qu'elle se nourrisse, sinon elle va être pas bien au bout d'un moment. Il y a également... En bas à gauche, les différentes choses que je peux récupérer pour les manger et évoluer ou tout simplement me nourrir. Et, mais il faut savoir que la plupart des choses peuvent me faire muter. Et d'un aspect basique comme ça, avec mes deux yeux globuleux, je peux devenir complètement différent selon le régime alimentaire que j'ai. Ça, c'est la partie jeu de la vie. L'autre partie, c'est qu'il y a des énigmes à comprendre. Et à résoudre, et rien que les comprendre déjà, c'est pas mal. Je vous fais faire un tour du proprio. Ok, pas trop loin parce que j'ai un voisin. Comment ça, vous avez pas vu de voisin? Ouais, non mais c'est normal. Alors pour l'instant en mutation, moi j'ai juste une mutation à la con qui me permet de gonfler un peu, comme ça. Vous avez vu, c'est beau. Donc je peux faire des méga jumps, mais ça s'arrêtera là. Est-ce que ça va me servir pour monter sur cette plateforme? Non, pourtant il y a des petits pieds là sur les côtés, je sais pas si vous avez vu. Et il y a peut-être moyen de moyenner pour monter là-haut. On va essayer tout de suite. Ouais, je vous ferai voir mon voisin après, si vous êtes sage. Alors, pour s'élever, c'est pas terrible, ça, hein, parce que ça dure pas longtemps. Ouais, on voit qu'il y a un trébum qui est gravé là-dessus. Donc, il y a une utilité. Ah, j'ai raté mon saut. On va voir si ma théorie fonctionne ou si c'est juste un truc fumeux. Ah, frag. Bon, je vais vous présenter mon voisin alors. Il y a d'autres choses qu'il faut que je vous explique dans le jeu. Je vous les mettrai en insert. Voilà mon nouveau voisin. Regardez la gueule d'amour qu'il a. Hop, hop, hop. Mais je crois qu'il va s'énerver. Hein. On va rester sympa. Et il tire, il crache. C'est de l'acide. Si ça me touche, je tombe dans les pommes. Et je serai plus là pendant un moment, je crois. Est-ce que je peux faire des choses ici? Non, rien. Pourquoi je suis venu? Pour vous faire voir, c'est tout. Hop, 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 hop. Alors, il y a différentes ressources que vous pouvez récupérer pendant le jeu, qui vous aideront non seulement à muter, non seulement à vous nourrir, mais également à prendre des forces. Et j'avoue que ici, je suis totalement coincé. Alors, il y a ce truc particulier. Je vais essayer de balancer un truc qui m'intéresse pas. Genre ça. On va le laisser scénarier tout seul, les gars. Avec quoi je tire déjà? Non, ça c'est pour la flotte. Oh, le clipping, le clipping. Oui, le jeu est sorti cette nuit, hein, donc il y a des petits bugs de lancement, c'est normal. Les gens sont pas supposés en être déjà là. C'est normal aussi. Pourquoi ils m'ont pas remis au début? J'aurais bien aimé. Il craint pas la flotte en tout cas, le gars. Oh, gros, 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 gros. Eh, non, pas sur moi. Not on me. Not on me. Not on me.
Je vais essayer de le faire venir sur cette inter, on sait jamais. Ça peut servir à quelque chose. Il y a un symbole de Tredom. Alors si j'étais rentré pas tout seul, ça aurait été mieux. Alors ça, j'en conviens totalement. Ces champis doivent servir à quelque chose, je pense. Ça, c'est un champi bumper. Bang. Il sert juste à ça, à bumper. Alors je pourrais m'en servir pour aller en face, mais j'ai fait le tour préalablement et je peux vous garantir qu'il n'y a absolument rien à récupérer en face ou sur les côtés. Je vais chercher mon bonus là-bas. Salut. Il est pas content. Hein. Ouh, c'est pas passé loin. On y va, on y va. Il est vraiment pas content le gars. Qu'est-ce que je pourrais faire dans cette grotte que j'aurais pas remarqué? Alors il y a cette forme là que je pourrais essayer de digérer, mais il faudrait que je crache parce que je suis plein là. Et le problème c'est que j'ai sur moi 3 équipements, je vais me mettre là-haut, je suis safe. Bon, j'ai ces 3 équipements, mais il n'y en a pas un qui veut me libérer d'un placement. Je suis bien marat, c'est ça le mot? Ah, il est de ce côté, on va éviter. Je ne sais pas, t'as... Regardez comme je suis bien, là. Oh, on est bien ici. Est-ce que c'était prévu? Bon, peut-être pas trop, mais... Tant que ça passe, c'est qu'il n'y a personne qui est mort. C'est bon? Non? Je vais essayer de faire une grimpette là-bas. 9. C'était juste. Oh, comme il était planqué, ce coffre. Alors, j'ai un bonus, mais je peux pas le prendre, parce que tous mes emplacements sont pris, et j'ai toujours pas trouvé la touche pour... balancer un des trucs que j'ai sur moi. Me voilà bien Mara. Mais alors là, le mot est vraiment adapté, tout confort. Et je peux toujours pas assimiler ça. Je suis vraiment dans la mode ennuyé. Par contre, il y a quelque chose qui s'est passé ici. J'ai la masse qui vient de se révéler. Et je vais essayer de me refaire une petite famille dehors. Allez, c'est parti. Oui, parce qu'on est beaucoup plus efficace quand on est en horde que quand on est tout seul. Quand on est tout seul, le game over est fatidique. En horde, on passe au collègue suivant. Où suis-je? Je suis dans un coin où il fait très froid. Mais alors vraiment froid, quoi. Qu'est-ce que je dois y faire? J'ai pas encore d'objectif. Aucune information utile. Et je suis coincé dans cette zone. Est-ce que je suis coincé? Statistiquement... La barrière magnétique qui autour est en bleu, j'ai possibilité d'avancer et de faire avancer à nouveau le cylindre. Oui, chaque fois que je la touche, cette andouille de grand cylindre, bon, on va rester poli avec lui, il est méchant. Cette andouille de grand cylindre se remet à avancer. L'intelligence, ça serait que je trouve une couveuse et un œuf de collègue. Qu'est-ce que c'est? Faut pas y aller. Bon, on va y aller. Ah, quel est cet endroit? Ok, les autres très bonnes me rejoignent. Oui, mais il n'y a personne ici. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Et là, mon très bon est en train de se cailler les miches. On voit l'écran qui est en train de se cristalliser progressivement. Et c'est dommage parce que j'ai un pote ici, regardez. Tu viens avec moi? Ah ouais. Et je vais l'appeler Chaos, celui-là. Merde, j'ai pas eu le temps de le nommer, dommage. Il y a 2 trucs que j'aurais pu prendre ici, j'ai pas pu les choper à cause toujours de cet inventaire qui est plein. On va changer de Trebum. C'est avec quelle commande, celle-là. Allez, toi t'es dispo. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez swapper et passer de l'un à l'autre. Je vais essayer de récupérer les trucs que j'ai fait tomber. Je ne sais pas où. Bon, c'est foutu. Si on avait besoin, c'est mort. Tant pis pour moi. Et on va vite s'enquérir une nouvelle mutation à pouvoir récupérer. Ce serait pas mal. Parce que lui, il va avoir très froid, très vite. Et ça va être très douloureux. Coffre. Et pour moi, celle-là.
Et on va essayer ça vite fait. Je mute. D'accord, maintenant je roule comme un furieux. Boing, boing. Je peux même peut-être défoncer certaines créatures. Qu'est-ce que c'est que ça? Mutation encore? Non, il est juste froid. On verra. On va ressortir d'ici. Et puis on va explorer un petit peu plus loin. Plateforme. Et la revoilà. Est-ce que les choses vont s'éclairer davantage? Non, je crois pas. Dites donc les mecs, vous êtes bientôt morts, j'ai l'impression, non? Oh la vache. Oh, il a pas réussi à monter l'autre. Il a fait... Non, moi j'y vais là. C'est... This is the end, my friend. Et pour celui-là, ça va pas mal se passer pareil, je pense. Dans pas longtemps. Donc l'idée, ça serait de trouver un endroit où il fait moins froid. Où on se caille moins les miches. Où on est heureux, où on est accueilli et reçu tel l'invité qui doit être choyé un minimum. Et je vais crever avant quoi que ce soit, hein, je pense. Mais bon, j'aurais tenté. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il y a des trucs de partout. Donc, découverte, compréhension, le jeu va vous demander beaucoup d'efforts cérébraux pour arriver à assimiler son univers et piger quoi sert à quoi, qui et quoi. Et ça, c'est quoi cette bestiole? Il est là encore, lui, c'est bon, c'est bien. On va essayer de se trouver un coin où il fait moins froid, mais alors c'est pas gagné parce que là, je crois qu'on est vraiment foutu. Ou alors, on va faire avancer le cylindre, au choix. Ouais, on va éviter la flotte. C'est dommage, je fais meilleur, là. Regardez comme ils sont bien les bibis quand il fait plus froid. On va faire avancer le cylindre. Je me rappelle plus trop où est la tour, mais on va y aller au culot. Parce qu'on a peur de rien. Allez, feu. Donc, en toute logique, derrière moi, ce grand bruit que vous entendez, c'est... Le cylindre éternel! Et il faut pas déconner avec le cylindre éternel, puisqu'il annihile absolument tout ce qui se trouve dans son passage. Y compris les gentilles petites créatures en pleine mutation et évolution, qui pourraient devenir la race dominante de cet univers. Ben non, il s'en fout, il roule surtout. Et il a pas l'air d'aller très vite comme ça, mais... entre sa détermination... Et sa nonchalance, il y a moyen qu'on sue, et je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est par là-bas où on doit aller. Hop là. Alors du coup, ça c'est toute une zone de terrain que j'aurais pu explorer et prendre le temps de scanner un peu pour essayer de choper des bonus. Mais, il est proche ou il a grossi? Ouais, il est proche là. Je vais où? Ah, une zone gazeuse, faut éviter les zones gazeuses, j'ai pas la mutation pour passer dedans. Je vois pas de tout, hein, les gars, sur le... Je veux pas faire le mec des fétiches, mais... Sur mon morceau de map, là, elle est où, votre tour? On va prendre à droite. Feu. Ah, passe au milieu, là, ça passe. Et le cylindre, il en a rien à foutre, hein, il va massacrer tout le monde, je pense. The cylinder would consume everything. Ouais, je vois, c'est une très très mauvaise option que j'ai prise là. Oh non. Il faut toujours garder un faux air dégagé, hein, c'est important. Ça donne une crédibilité à votre panique. Un charisme, une... Vous verrez bien. Avance. Ah, il a ralenti un peu là, ouais. C'est une bonne idée qu'il ait ralenti. Vers où allons-nous? Vers notre destin. Oui, mais où? Pff, on sait pas grand chose, hein, bonhomme. Oh, regarde un truc pour faire éclore en plus. Towers had fallen and the light was lost. There was no more point in running. Ouais. The cylinder would consume everything. Exactement. Est-ce que je peux sauter en face?
Ah putain, c'est niqué là. Et je peux pas me transformer en... Ah putain, c'est double niqué les gars. Et je suis dans le gaz. On n'y voit rien, c'est normal. Fin de la partie. Merde. Les amis, je vous laisse sur cette belle carte postale qui sera notre dernière vue dans cet univers tordu. Adieu. Rendez-vous dans la prochaine vie. Ah, ça fait mal. Ah, c'est magnifiquement résumé. Regardez, il y a une passerelle là-bas, j'ai l'impression. On va y arriver cette fois. Faut le prendre par le côté droit. Extrême. Extrême toujours. Ça se passe bien. Ouais, ça se passe pas mal. Là-bas, ça va pas bien. Oh là là. Donc là, cette fois, je vais éviter de merder. Je vais prendre la passerelle. Regardez, elle est en plein milieu. Elle nous attendait. Au milieu, il y a quoi? Des créatures, des bestioles, des boss? Non, ils vont pas me faire ça, les gars. Il y a cette chose à gauche qui a un symbole. Est-ce que je peux me réfugier dedans? Certainement. Ça a l'air fait pour. Oh purée. Ouais, non, mais il n'y a pas le choix, les gars. Je veux bien aller là-dedans. The towers had fallen and the light was lost. Ça s'ouvre pas. There was no more point in running. The cylinder... Bon, je peux toujours sauter en face, les gars. C'est ça la bonne nouvelle. Peut-être pas. Ascensionne, blaireau. Me fais pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas le moment de faire 2001 Odyssée de l'espace, bonhomme. Bon, un mort déjà. Hop. Lui, il arrivera pas à... Ah bah t'es mort aussi. Non mais je te le dis. Il y arrivera pas mieux parce que... comment dire? Boing. Point que t'es mort. Il y arrivera pas mieux parce qu'il peut pas flotter. Est-ce que je repasse sur cet endroit du coup où il n'y a rien à faire? Parce que c'est quand même dommage. Moi je m'attendais à ce que la structure je puisse rentrer dedans pour m'abriter de ce fucking grand cylindre. Regardez ce pylône là, il sert à rien. On m'aurait menti. Il y a quelque chose, on va aller voir. On a le temps. Grand cylindre, grand pylône. Problème avec le cylindre, solution avec le pylône. Si je passe dedans, je déclenche le capteur là. Je pense que ça va être peau de balle, mais non, c'est pas grave. Hey, c'est moi. Yes, it's me. On va attendre un petit peu, tranquille. Alors la musique s'est arrêtée, ça veut dire qu'il y a des chances que j'ai... Que notre ami le pylône, t'es un ami toi, hein, déconne pas, stoppe la course du cylindre, qui pour l'instant inexorablement est barré pour me laminer la gueule. Et en plus ça a refermé la zone magnétiquement, il y a une barrière rouge infranchissable. Donc ça veut dire que, en toute logique, j'ai activé la bonne chose à faire. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a à foutre lui? Non. Je ne suis pas là. This strangely named evil giant was back. What was he hunting for? What monstrosities would he summon this time? On bouge pas. Si on bouge. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on m'a dit d'aller plutôt par là. Ouais. On va le surveiller quand même, lui, parce qu'il faudrait pas qu'il fasse trop le con. Ah, il est parti se cacher, avec sa jambe en Patrick Duffy, je le rappelle. Oui, c'est une jambe en Patrick Duffy. Un petit détail que j'ai pas expliqué au relancement du jeu, les lumières jaunes. Qu'est-ce que c'est que les lumières jaunes? Alors, ça a une particularité, ça me fait intégralement démuter. Ça veut dire que toutes les mutations que j'ai sur moi, je les paume instantanément. Dès que je me fais happer par cette lumière là, elle a pas cool. On y va. Roule. The Trebum needed to protect themselves against the creature's terrible light. Rentre. Perhaps something nearby could... Attendez. Mais j'ai pas que ça à faire. Il fouille. Alors on va se retrouver dans un sanctuaire et j'espère que ça va être simple cette fois. Ah, il a une géométrie très courante qu'on a déjà vue dans...
dans la bêta du jeu. Oui, je finis ma phrase un peu tard, mais ça arrive. Alors, ça, c'est un sanctuaire dans lequel je vais pouvoir choisir un des trucs à... un skill à faire augmenter. Oui, parce qu'il y a une petite partie roleplaying, on va dire. Vu que nos créatures sont là pour évoluer et muter, elles vont pouvoir aussi augmenter leur capacité de groupe. Je sais plus ce que c'est, ça va interagir, on verra après. On va faire le petit tour, parce que de toute façon, il y a plein de poudre perlimpinpin. Et cette poudre perlimpinpin, vous pigerez assez rapidement qu'elle va vous servir à pouvoir réanimer des collègues. Réserve de nourriture, c'est pas super important pour l'instant. Réserve de flotte, c'est pas vital non plus. On va changer de bestiole, parce qu'il y a des choses à récupérer. Il est où mon pote? Viti, il est où l'autre? Là, j'ai mu. The Trebum found themselves gathering around a mysterious projection. They seemed to think it was an elder. This is a recording pool, the projection said. I left this message here to help you. I have discovered the recipe to permanently imbue my body with the power of this mutation and protect it from the evil light of our enemies. You must learn to use this formula as I did long before you, or you will never gain enough strength to continue our people's struggle. Okay. The Trebum thanked the apparition, never knowing that it couldn't hear them. Merci. Voilà une nouveauté, les amis. Alors, on va rentrer dans des mutations permanentes maintenant. Les permamutes. Alors, permet au Trebum d'entrer sans problème dans les nuages de gaz empoisonnés. Ça, c'est important. Je le voudrais bien, ça. Et on va rechercher cette mutation, parce qu'apparemment, elle est vitale. Et vous avez sûrement noté que les deux endroits, enfin, l'endroit où je suis mort principalement, là, c'était la zone inférieure, où il y a plein de gaz. Donc, il va vraiment falloir qu'on mute pour filtrer le gaz, parce qu'il doit y avoir une entrée cachée quelque part dessous. Dans l'espèce de ravin qui est tout autour ici. Je fais un peu le tour hein, du proprio. Parce que ça, c'est une grande nouveauté par rapport à la bêta, ça n'y était pas du tout. Oh poil. Ils ont sacrément développé le fond du jeu, le fond de gameplay. Adieu, endroit charmant et pas si accueillant, hein, on va le dire quand même. Je vais vous piquer des ressources, les gars, un peu, quand même. Au cas où ça me serve dehors. Je suis blindé de ça, j'en consomme. Ah mais non, je peux rien en faire. Ouh, je me suis encombré pour chi. Je me suis mis dedans, probably. Eternal Cylinder et son univers barré qui se dévoile sans explication, et c'est à vous de comprendre avec votre petit cerveau d'humain. Les ingrédients required for the impervious mutation were all here. Ok, c'est tout expliqué. But stealing an Ankyford egg was easier said than done, and cracking one open was even harder. Ok. Afin de protéger d'une mutation de lumière. Ouh, ça devient chaud parce que maintenant, ça devient des mutations obligatoires pour avancer. Alright. Pigé. Donc faut que je pique un œuf de ce truc. Mets-toi là derrière, t'es con. Mais on a perdu nos mutations les mecs. C'est bon, c'est cravé. Ça a été instantané. Donc l'idée, piquer un œuf de ce machin et piquer du coton de ce bidule.
On va faire de la place dans l'inventaire et on va aspirer des trucs là. Oui, il y en a besoin de ça, il en faut 3. En voilà 3. J'en ai 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va distraire l'autre crétin? On y va. On s'en fout de la lumière. Puisque pour l'instant, on ne fait que perdre nos pouvoirs. Gros, tu fais quoi? Tu protèges ton œuf? Tu protèges ton œuf? Pourquoi tu le protèges? Oh, t'as fait du gaz, c'est dégueulasse. Coucou. Oh putain, on l'a, on se casse, on va aller le fracasser sur je sais pas quoi d'ailleurs, sur ça. Yes. Ah non, alors faut que je me débarrasse de, faut que je me débarrasse de ce que j'ai sur moi là, je suis laborieux. On y est arrivé. Ah non, attrape-le lui. Aïe. Et là, normalement... Yes. On est désormais protégé du gaz toxique, les amis. On va se préparer une prochaine mutation à prendre, tiens. Qui au poil. Bon, maintenant, les amis, bonne nouvelle, regardez. Nous avons permuté, permamuté. Ouais, permamuté, on peut dire. Et du coup, nous sommes devenus totalement insensibles au poison. Démonstration. Salut. Bon, ça sent rien. Tu sens quelque chose, toi? Non, moi, je sens rien. On bouffe? Ouais, on va aller bouffer. C'est l'heure, là. Et on va descendre, donc, dans ce fossé qui est plein de gaz toxique, bien entendu. Là où il y avait une espèce de marche. Regardez-moi ce truc là, qui est truc quoi. C'est quoi ça? Eh ben on peut les voir. Attends, je prends les champis, j'ai faim. Oui, parce qu'on n'a pas bouffé depuis un moment. Et quand même, on est des animaux quoi. Et on a besoin de bouffer. Bon, lui il est descendu, il m'a pas attendu. Hein. Bring moi aussi. Alors c'est quoi ce truc là? C'est un holosphéro chromato. Elevato. Ok, bah on va continuer d'explorer. Hein. Tel est notre destin. On roule. Et donc dit Eternal Cylinder, on l'aime pour ça, parce qu'on ne comprend rien. Mais on y va. Avec une bonne volonté. Et il se passe des choses. Et petit à petit, notre cerveau, complètement tiraillé par toutes ces choses qui se passent, réalise que on assimile et on pige petit à petit. Je pense que le dernier inter, il va nous l'avoir planqué. Ce qu'il faut faire pour avancer, il y a une logique. Allez, plus qu'une. Observer histoire de pas passer à côté, de pas le voir comme un crétin. Ça, c'est une de mes spécialités. Hop, c'est quoi ça? Sortie. On a bon là? Fantastique. Parce que la barrière rouge est toujours là. Est-ce qu'on remonte là-haut? Why not? Boing. La barrière est bleue. Ça veut dire qu'on peut passer. Le chemin est ouvert. Le chemin est libre. À nous la liberté. Tu vas? Non, tu me fais pas ça, Belly. On est venu jusqu'ici, à pied. Et on a bien l'intention d'en partir. À pied. Il est où l'autre? Il est mort? Non. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Dude! Oh, il va arriver. Il fait un peu le con, il fait un peu son intéressant, mais... Pff,
Qu'est-ce que c'est qui s'est passé là? On va prendre un peu de bouffe pour la route. Oui, très important d'avoir un trébum toujours bien nourri, au poil luisant. Et on y va, en route pour l'aventure. Alors le cylindre va se remettre à avancer, mais cette fois on a muté, on en a rien à foutre et on sait pas où on va. Et on est heureux quand même. Alors je pourrais faire éclore quelque chose ici, mais on n'a vraiment pas le temps les amis. À moins que le cylindre veuille bien s'arrêter quelque part, mais je crois pas qu'il a envie de faire du stop le mec. C'est quoi ce gros trou? On va éviter d'aller dedans. Comment ça c'est tout faux? Et alors? Je suis pas là pour chanter, on n'est pas dans SingStar les gars. Hop hop hop. Oh la jolie tour qui est tout là-bas. Mais c'est loin, oui, c'est derrière l'eau. Ouh, j'aime pas l'eau. Les trébums ont la particularité de ne pas du tout aimer l'eau. Heureusement, cette tour beaucoup plus proche devrait réussir à contenter et freiner les désirs et intentions maléfiques de ce gros, énorme, gigantesque, bouillonnant, proche de la fusion. Rond qui tourne sur lui-même. Oui, j'ai pas dit cylindre, il y en a marre. Faut qu'il tienne ce pylône, les gars, faut qu'il tienne, hein. Vous me faites pas le coup du pylône qui pète, on l'a déjà eu. C'est pas passé loin. Il est quand même toujours lumineux, hein. Non, c'est bon. Et maintenant, on va prendre notre temps pour explorer, essayer de muter avec une... Oh là là, je connais ce bruit, je connais ce bruit, je connais ce bruit. Il y a une créature volante au-dessus de nous. Lui, voilà. Alors lui, il est pas mal, parce qu'il nous permet quand même de pouvoir nous élever sur des zones et parcourir des distances non négligeables. Problème, il a tendance à nous bouffer aussi. Oui, il est muni d'une bouche. Et quand il ramasse quelque chose, en général, c'est pour le bouffer, pas juste pour le regarder parce que c'est mignon. Bien qu'on soit totalement mignon avec notre petite chose en velours sur le bout. J'étais obligé de le dire ça, je suis pas désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va essayer de comprendre. Analysons et comprenons. Ah, je l'ai eu ce truc, c'est cool. Ça fait quoi ça? On va essayer. Oh putain! Hé! Il m'a piqué Maurice! Ok, j'ai trois yeux. C'est pas super pratique. Maurice! Maurice! Il s'est fait bouffer! Il est là-haut, regardez! Il est con! Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais laisse-le pas t'attraper, t'es fou toi! Moi regarde, j'ai trois yeux. Et toi? Ouais, non, mais c'est pas mieux. On va trouver quelque chose ici à faire, mon ami. Est-ce que dans le journal, on aura un objectif? Poursuivez ou t'avancer? Ouais. Mais on va essayer de muter quand même. Parce que, bah, vous l'entendez à mon timbre de voix qui est à moitié hilar. Moi, dans ce jeu barré, j'ai vraiment envie de prendre mon temps. Et puis de trouver des mécanismes qui ont été forcément pensés par les développeurs, mais auxquels le joueur en passant devant n'a pas forcément pensé, lui. Et c'est pour ça que j'évite de me presser. Cette créature, j'ai toujours pas vu ce que c'était, hein, le petit truc là. Oh, que j'ai bon, ça. Qu'est-ce que c'est, ce petit truc là-bas? Oui, je sais, on se caille. Faudrait qu'on trouve du pelage. C'est quoi ça? Je vais en goûter un. Oui, je suis là pour goûter un. Ah, je mute. Qu'est-ce que c'est? Le regard analytique vous permet de marquer des créatures pour les ajouter à votre encyclopédie. Ok. Donc ça, c'est un pouvoir scientifique qui me permet d'étendre ma base de données et tout comprendre de ce qui m'entoure. The voice in their minds told them, with these eyes, they could learn much about the creatures they encountered. The voice was glad about this. It was knowledgeable in the manner of animals, and now it could contribute its wisdom to their memories. On va arrêter d'avoir froid. Ah, ça va aller mieux. On n'est pas beau, mais si on est beau.
Alors j'ai toujours mon troisième œil. Oui, j'ai toujours ce truc-là, il faut que j'essaye ce pouvoir, absolument. Ou alors on va avancer, mais je suis pas pressé du tout, mais vraiment pas. Ces chanterelles sont délicieuses. On va continuer notre petit tour du coin. Boring. Oh, lui il va être colère. Ok, je l'ai scanné. Donc je peux passer mon temps à scanner les bestioles. Pour essayer de piger ce qui se passe. On va le scanner lui, tiens, tant qu'à faire. Je crois que c'est surtout lui qui va nous scanner parce qu'il va nous fantasser dessus dans pas longtemps. Hop. Oui, c'était pas passé loin, hein. Fais attention. T'as vu ce qui se passe quand on fait pas gaffe. Tint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 
faudrait que je retrouve la plante qui permet ça. On va en avoir besoin pour notre varap. Oui, parce que là, on est en mode... J'allais dire Jean-Claude Killy, mais non, mais en mode... explorateur montagnard. Et ce serait bien de pouvoir flotter. Qu'est-ce que c'est que c'est... On va goûter. Oui, tout se goûte. Alors, autant en profiter. Quoi? Je peux pas prendre? Ça avait l'air bon, ça, rose, sucré. Là, on est dans une zone qui est délibérément verrouillée et dans laquelle il va falloir faire un truc très précis. Notamment se faire zigouiller par le sclat des glaces. Alors si c'est celui que je connais, on va rigoler parce que normalement c'est la bestiole qui est pleine de narines dont je vous avais parlé. Ah, c'est pas lui. Lui là-bas, au bout, ça doit être lui. Et alors pour le détail, pourquoi je disais qu'il était chiant? Bah les programmeurs ont lâché le morceau, hein. J'ai beaucoup suivi le jeu. Et les programmeurs ont lâché le morceau quand ils faisaient voir un petit peu des bouts qu'il y a derrière la scène. En expliquant certains fonctionnements de bestioles. Et la bestiole qui a trois narines, là, trois blazes, il se trouve qu'en fait, elle en a rien à foutre de votre présence, qu'elle verra ou pas. Elle vous verra pas en fait, la plupart du temps. Par contre, elle va remarquer les phéromones que vous laissez. Ce qui veut dire que, immanquablement, si elle vous prend en chasse, pour vous en débarrasser, il faudra trouver un endroit parfaitement inaccessible pour elle. C'est le seul moyen. Et c'est pour ça que c'est une des bestioles les plus chiantes du jeu. If there was a flying serpent in this place, there might also be a temple and an elder to guide them. Ah oui, le voilà. Ok, mais faut faire gaffe parce que lui aussi, il est pas sympa. Il crache des trucs. La dernière fois, je suis mort électrocuté. C'était il y a un bout de temps déjà. On va goûter ces tubercules. Elles m'ont l'air fort juteuses. Non, je vais me contenter de ça, tiens. Alors la musique est complètement barrée aussi, c'est ça qui est très rigolo. Le niveau style, ça se contente pas d'un seul style, des fois c'est n'importe quoi, des fois c'est des bruits, des fois c'est drama. Et ça rajoute pas mal justement au fait d'être complètement largué dans cet univers, et de rigoler à moitié et se dire mais qu'est-ce que je fous là, est-ce que ça existe ce jeu, je suis vraiment dans ce truc. Ah ah ah, l'électricité, ça c'est le serpent qui va pas tarder à me foudroyer. Faut se cacher. Oh putain, il shoot le con. Donc le principe veut que si on veut se rapprocher du grand serpent là, qui est si sympa hein, normalement, vite, faut rester hors de sa portée, hors de son regard. Voilà. Là il me le tolère, mais c'est vraiment une tolérance quoi. Oh là là, il y a celui qu'on veut pas justement qui est pile en dessous. Bouge. Oh. On va bouffer ça. Oui, je voulais récupérer ce truc, je sais pas ce que c'est ça. J'en ai encore jamais mangé. Faut que j'essaye. Alors faut qu'on trouve un frangin et qu'on essaye de semer ce qu'on a aux fesses. Parce que vous allez voir que lui, il va plus nous lâcher. Hein. C'est l'amour éternel. J'allais dire l'amour à la plage. Ah ou tcha tcha tcha. Mais non, c'est l'amour éternel. Où est parti le serpent, le grand slower? C'est plus une menace. Bon, ça c'est déjà une bonne chose pour nous. Et on va le semer en passant là-haut parce qu'on est des gros malins. Regardez. Regardez les gros malins qu'on est. Hop là. Ah, je l'ai bouffé avant d'analyser. Je peux pas le bouffer. Tiens, faut que j'essaye ça d'ailleurs. Hop, 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 hop. Le con, il est passé tout seul dans le vide. Je vous avais dit que c'était un bon endroit. On la ken. Objectif. Oh super, trouver un œuf. Voilà. Allez le faire éclore. C'est juste en dessous. Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Ah, rien. Rien du tout. Regardez. Hop. Hop hop. Une omelette.
Non, une éclosion, les amis. J'avais dit que j'en appellerais un chaos. Je l'avais prévenu, personne m'écoute. Ah, on va être mieux maintenant. À 3, on va se sentir. Tiens, à propos de sentir, faudrait qu'on se barre de là. Faut qu'on aille sur ça. Avant qu'il nous fonce dessus. Vite, les gars, vite, 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 vite. C'est bon. Roule. Roulez, les gars, roulez. Suivez-moi. Faites comme je vous dis. Ah, putain. C'était pas loin. À la grotte de l'ancêtre. Oui, il se dit qu'il y a très très longtemps, l'ancien est venu s'égarer par ici. Et il est resté coincé un moment, ce qui explique toutes les petites traces de crottes un peu partout. Mais la légende dit aussi que l'aventurier, curieux et avisé, pourrait y trouver ça. Bon, ok, ça sert pas à grand chose, mais je l'ai trouvé. C'est à moi. Ah, on a une chose d'élévation. Le problème, c'est que j'ai pas de mutation pour m'élever. Alors que faire, les amis? Bah, il ne faut jamais, au grand jamais, jamais, quoi. Je suis repu, ok. C'est quoi ça? C'est ton ami. Ah, faut que je trouve des cristaux pour pouvoir le réveiller. Où sont planqués ces cristaux dans notre Zeus? Petite observation, ils sont sûrement en hauteur. En tout cas, il n'y en a pas de visible dans le coin. Alors, mes bestioles n'aiment pas trop la flotte, hein. C'est pas leur trip. Chaque fois que je tombe dedans, vous avez vu, il y a une jauge. Ah, purée de bordel de... Anything. Oula, 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 calme-toi. Mais j'ai pas du tout la bonne mutation pour pouvoir m'élever, ça c'est chiant. Parce que du coup, j'arriverai jamais à ce point là-haut, qui a l'air pas mal intéressant. Il y a une mutation ici que j'ai pas prise, regardez. Faut que je me rappelle que j'ai un pote à libérer aussi, ça peut aider. Et c'est la fameuse mutation que je cherchais, les amis. Oui, celle qui me permettrait de gonfler comme une baudruche. Et il me suffit pour cela, pop pof, de prendre ses fruits, de les péter contre une paroi comme ça. On y arrive petit à petit, hein. C'est douloureux, c'est pénible. Mais bon, c'est le lot de tous les héros, ça. Et là, on va enfin muter dans cette chose qui nous manquait tant. Ah, je peux pas? What? No what? What? Yes! Eh ben, it's not trop tôt, les gars. Les gars, j'ai une bonne nouvelle. On peut muter maintenant et on peut monter et s'élever sur ces choses-là. Ça va mieux quand même, hein? Ouais, je sais. Et là, il faut que j'en ai un qui est muté pour être carré. Ah, vide, vide, vide. Salut. Ça n'a pas fait grand-chose, si. Une ventouse air. Ces excroissances se développent sur les deux... D'accord. Donc j'ai une mutation qui devrait, en théorie, me permettre de pouvoir m'accrocher aux parois. This time, the discovery of a new statue and the knowledge it granted was not a surprise, but a welcome sign that there was someone waiting for the Drebon. As soon as they completed the trials, of course, as was only appropriate. Du coup, mes pattes sont pas montées, c'est ça qui m'ennuie un peu. Hé gros, vous avez pas muté, vous pouvez pas monter? Oh, sérieux, vous déconnez là. Bon, je vais vous jeter des... je vais redescendre. Plop, plop, plop. B. Et tout va bien se passer. Alors, c'est qui le boss?
Bon, mes potes, ils se démerdent, là, maintenant, j'en ai marre d'attendre tout le monde. Je fais des efforts, mais il faut pas pousser mémé non plus de... Pas exagérer. Ça se slurpe pas. Bon, je slurpe pas, moi, con. Ça se slurpe pas, de toute façon, je suis un mec pas chiant. Et je peux toujours... Non, j'ai plus mes méga jumps, c'est pas grave. Les gars, vous me rejoignez plus tard? Allez, à plus. Hop là, ça se bouffe. Ça se bouffe aussi. Il m'en rejoint. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un pote. Mais on n'a pas de cristaux pour le réveiller. Oh, vide grenier. Qui c'est qui a de la place? Il y a un truc à ramasser. T'as de la place? Ouais, je ramasse. Qu'est-ce que c'est que ça? On goûte? On regarde pour plus tard. On est des gourmets. Allez, Vidi, c'est toi l'éclaireur maintenant. Boufferais bien un petit verre, moi. Je suis comme ça, moi, maintenant. Mais j'ai muté. Ok. Monsieur K prendrait son temps? Oui, carrément. Ah, y a un passage là-bas. C'est fait exprès pour pas qu'on le voit quand on arrive. Ah, no spoiler. Ah bah, je peux peut-être ranimer mon pote avec ça. Regardez, il y a des cristaux. C'est ce qui me sert justement à ranimer les collègues. Parce que si on était une famille de 4, on serait bien là. On pourrait s'appeler les 4... comment, les 4... les 4 milliardaires? Non, on n'a pas de pognon. Les 4 moustiquaires? Non, on n'a pas de moustiques pour l'instant, ça. Je sais pas, mais les 4, on serait bien. Copain? Copain? En plus, vous savez déjà comment je vais l'appeler. No spoiler. Du coup, j'ai Deline et Chaos dans le stream, c'est vachement bien. On est parti. Bon, Deline, tu fais pas la con par contre, hein? Tu t'es pas rasé ce matin. Bon, c'est pas grave, Chaos non plus. On y va! Donc, on va trouver. Il faut passer avec de l'élan, tout simplement, regardez. On va faire cette figure qui est tout à fait. Même ça, ils y pensent, les devs, ils me font délirer quand même. Ça sert à rien, c'est idiot, mais c'est tellement drôle. Wouhouhou! J'adore ce jeu. The Eternal Cylinder, quand même, c'est un titre qui bouleverse totalement le principe des jeux qui ont un scénario et une histoire vraiment super sérieux et s'y accroche bec et ongle, alors que ça a déjà été vu, revu, survu des milliers de fois. Eux, ils sont là, ils font « Non, mais nous, on en a rien à foutre, on va faire un truc parce que ça nous fait délirer. » Et ils font leur truc, parce que ça les fait délirer. Y'a rien, là. C'était bizarre cet éclairage. Ouais, moi, je suis attiré par les lumières, je suis idiot. Je suis comme une moustique. Et du coup, bah, The Eternal Cylinder, c'est quand même une grosse chiaf dans toute l'industrie du jeu vidéo. Puisque eux, ils sont là, ils ont fait « Non, nous, on a des idées et on va les faire. » Qu'est-ce que c'est que ces trucs, là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Vous aimez la plateforme? Et oui, ça c'est un truc qui est incroyable quand même, c'est que le jeu mélange le jeu de la vie, des mutations, des combats. Ouais, arrêtez de faire les cons les gars, regardez ce qui nous attend. Et en plus, une partie de plateforme, je déconne même pas quand je dis que ça a pas à avoir honte face à du Tomb Raider. Ça vaut largement un Tomb Raider. Qui a de la place? Toi, t'es plein de place. Allez, on va aspirer des trucs, là, je sais pas si ça se bouffe. Ça doit se bouffer. Alors, je pense qu'on va avoir besoin de la mutation qui permet de flotter en l'air, là, parce que ça va être pénible. Deep in their memories, the Trebum carried a fragment of knowledge about this temple. It had once been a place of learning, where wise Trebum came to study the crystals, which... But the memory was incomplete. Je crois qu'il y a d'autres créatures que nous ici. Non, ça va.
Allez, courage, on y va. Donc ça, ça je blip et ça je bloop. Le problème étant, c'est qu'on sera jamais de l'autre côté le temps que ça je blip et que ça je bloop. Et qu'on comprenne quoi que ce soit à faire là-dedans. Oh, j'ai bien adoré ce placage en pleine forme. Faudrait que je retrouve la mutation pour pouvoir me relever. Ce serait bien. Ah oh, bah bien mieux. Oh putain. Ah, je suis plié de rire les gars. Oh merde. On y va. Bon, c'est vrai que la partie de plateforme, maintenant que j'ai des pieds en tous, va être complètement différente. Mais elle risque d'être longue quand même avec moi, je vous rassure. Oh putain, sur la dernière plateforme, vous m'en voulez les gars, vous avez raison. Je vote pour, moi aussi je m'en veux. Telle une brute, il y va. Allez, j'ai oublié de sauter un peu là, je crois. Connard. Je vais faire une pause ici. Je vais faire une pause ici parce que j'ai besoin de faire une pause. Il me faut une pause pour reprendre mon zen, retrouver ma tranquillitude. J'y reviens tout de suite. Je peux même pas sauvegarder la vie de grenier.